Eh bien, première victoire de la saison pour Sunil Bandhu. Alors, on va lui faire les honneurs puisque c'est toujours important pour un jockey de Beat the Jinx. Elle est venue à mi-saison, Sunil, où elle est liée certainement avec un ouf de soulagement. Yeah, pour moi, c'est une grande fierté, une grande victoire. Ben, après 4 ans qu'ils m'ont gagné les courses aujourd'hui, j'ai gagné les courses en 2012. Je pense que Good Time Charlie contre M. Vincent Lett. Je remercie M. Patrick beaucoup, mille et mille fois, pour demain la montre là. Et c'est tout, une grande victoire pour moi. Alors c'est vrai que le cheval a sorti un peu le grand jeu, comme nous dire, hein, puisque on vient vraiment Usely en début de course pour essayer de prendre le commandement. Flash Drive rend nous la vie un peu difficile, mais malgré tout, ce cheval-là continue jusqu'au bout. Ça, hats off à M. Patrick qui nous a sous l'incision. Il m'a montré ce qu'il va faire, c'est grâce à lui. Il m'a sauté, nous avons profité pour la plume, sauté, nous aller, si nous restons devant, nous aller, mais mal. Ça, c'est à côté, on m'a dit fatiguement un peu, mais mon petit n'est pas. Ça, on en parle avec M. Vincent Red, comment travaille le pas, et ça, c'est vraiment le fruit aujourd'hui. Et à mini droite, tu es confiant quand tu Valrine tombe le haut? Là, je me suis monté parce que l'article m'a tout bide devant moi. Je me disais, là, je vais gagner. Là. Mais voilà, je suis bide. On va profiter pour profiter de dédier sa victoire là pour madame et mes enfants. Parce que je parle de moments difficiles. Je suis tombé, je suis blessé. Merci. Eh bien, on comprend l'émotion. Hein. C'est vrai que y a beaucoup de travail autour, beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Et aujourd'hui, quand il lève la tête, eh bien, il pense justement à ces moments qu'il a traversés. Et c'est un rayon de soleil pour lui, certainement. Oui, parce qu'il faut dire que il ne travaille pas avec moi, mais je le vois tous les matins. C'est un bosseur. Il est tout le temps présent. Il monte les chevaux difficiles. C'est un passionné avant tout. Oui, et il a eu une mauvaise chute il n'y a pas longtemps. Il était off complètement et c'était quand même très dur pour lui. J'avais vu un mouvement des palefreniers, des apprentis, un mouvement des apprentis pour réunir un peu de fonds pour pouvoir lui donner un coup de main. Alors c'est super. Alors pour revenir à Triade of Fortune, comme il dit, je lui avais demandé de chauffer le cheval, d'aller même loin et de le chauffer et en essayant de bien sortir. Mais on pensait pas vraiment qu'il allait pouvoir avec cette 9e ligne de prendre la tête. Et donc, mais du reste, il n'a pas pris la tête. Et à un moment, j'ai pensé qu'il allait un petit peu trop vite avant les 1000 mètres. Mais il a bien repris son cheval et il a bien fini. Je suis content pour lui. Malgré que nous, notre meilleure chance de la journée pour nous sur papier, c'était Prince of Wings. mais je suis content. Je suis content pour ce petit cheval-là. Et ça me fait avoir une petite pensée pour Odile Le Breton qui est parti l'année dernière. Et c'est un cheval qui est marqueur. Alors c'est vrai que c'est un cheval, Patrick, que il n'a pas un gros palmarès, mais c'est un cheval qui il y a des jours, donc quand il est dans un bon jour, il est capable de damier le pion à plus d'un. Oui, le problème c'est que il a des petits problèmes, enfin des petits problèmes assez récurrents. Même il est assez short au training. C'est pas un cheval qui s'étend, il est short, il est. Et c'est pour ça que James, lui, il avait trouvé très short. C'est vrai, hein, on a failli ne pas le courir même. Je crois qu'il devait courir il y a 15 jours ou 3 semaines, il n'avait pas passé le vet. C'est un cheval qu'il faut quand tout va bien, il court, sinon il a des problèmes. Hein. Mais c'est une belle victoire. On a fait premier et troisième dans la course, on est content. Eh bien, merci Patrick. Victoire toujours bonne à prendre, comme on dit. Hein. Tu as tout en ce moment. Bravo. Eh bien, ce Trial of Fortune qui a sorti vraiment le grand jeu, la première de Sunil Bandhu, qui fait plaisir à voir, messieurs.